Bonsoir beauté. Bonsoir. Moi c'est Auguste et toi? Pardon. Moi c'est Auguste de Ravo Jeune et toi? Niki. Enchanté Niki, très très joli prénom. Ok, déjà si on t'approche, c'est par rapport à notre chaîne YouTube. Mais nos internautes et moi aimons savoir ceci. Pourrais-tu faire encore avec ton ex? Oui. Oui, ça me donne pas. What? Vraiment? Tu es un petit ami, non? Et bien que tu es un petit ami, tu veux quand même rester avec ton ex. Non, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, la personne arrive là comme 5 coups, comme ça, tu es capté. Je me pète mon cou. Ah! Femme! Oui. Ça peut arriver. Tu es un petit ami, non? Oui. Et bien que tu es un petit ami, tu veux te remettre jamais ton ex. Une passion sexuelle, quittez dans ça et venez ici, c'est moi le boss. Continue. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Auguste de Ravo Jeune. Yeah. Et toi? C'est Princesse. Très très jolie mon nom Princesse, comme toi-même. Moi c'est Inès. Enchantée Inès. Oh, je suis. Pardon? Je suis. C'est Maxime. Moi c'est Benzema. Enchanté Benzema comme le footballeur là-bas du Real. Soumarita. Très très jolie Simon. Soumarita est. Ok, très joli prénom. On passe là. Moi c'est Jenny Banteke. Pardon? Amand. Pourrais-tu sortir, comment dire, pourrais-tu faire avec ton ex? Non. Non, non. Non, parce que je ne veux pas coucher avec un cafard. Pas coucher avec? C'est un cafard. C'est mon ex, c'est un cafard. Donc tu vois comme un cafard? Ouais. Ouh là 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 là, masse. Donc tu vois que c'est un cafard? Ouais, c'est pourquoi je dis ça. Mais quand on était ensemble, tu ne pensais pas comme ça? Ouais, on était ensemble, t'es bien et tout, et quand on a cassé en fait, ça va, je suis avec lui. Ça veut dire que ça ne s'est pas bien terminé, ça s'est mal terminé. Oui, ça s'est mal terminé. Ok, donc ça veut dire que c'est à la mesure où ça s'est terminé bien, ça s'est terminé d'une bonne façon. Ouais. Tu pourrais... J'ai des ex que je garde contact, mais lui, ça ne capte pas. Bon, moi, je prends ton ancien ex. D'accord. Celui avec qui tu es sorti dans les bonnes conditions. Ok. Donc, si tu, toi, tu ressens pas avec lui? Non. Ici, on... Tu es en couple. Donc, si tu es en couple, même si tu vois ton ex, même par accident, ça ne peut pas arriver. Non, ça ne peut pas arriver. Ok, je te remercie. Quoi? Tu es un petit ami, mais tu pourrais faire ton ex. Il n'y a pas une raison particulière qui te pousse à le refaire. Mais c'est juste un accident. Bon, c'est parce que j'ai dit. Il y a eu le film. Non, le feu de l'action. Voilà, donc, même si c'est après combien d'années. Regarde la caméra, donc Niki va se dire. Regarde, donc tu peux refaire ton ex, Niki peut refaire son ex, c'est ça? Oui, je fais. Et tu le fais même actuellement? Oui. Mais tu n'as pas peur de ton petit ami? Ok, je vais comprendre. Parce que tu as découvert ça, ça n'a pas rien de faire. Avant moi, il avait une fille, voilà. Mais vous êtes ensemble actuellement et tout se passe bien. Tu ne vas quand même pas avec ton ex. Mais c'est qui se passe entre moi et mon ex, mon frère, c'est le premier, donc le dolo du premier, il a reste. Tu aimes ton petit ami? Je l'aime. Franchement? Oui. Oui. Quel est le nom de ton petit ami? Je dois te dire, c'est ici pourquoi. Tu aimes ton petit ami, non? Quel est le nom de ton petit ami? Je dois te dire, c'est pourquoi. Non, non, non. Je veux pas. Donc le fait de le faire avec ton ex, ça ne change rien à la relation que tu as avec ton petit ami. Ça n'influence pas. Bon, moi je le fais genre... Comment je peux dire? C'est pas... C'est que... Bon, je prends mon cas et si elle veut se lever là, j'ai ma vie. Et peu importe l'homme que je vais connaître bien après, il va pas changer. Que moi j'ai eu un truc avec mon ex, ça a été... Comment je peux dire? Pour moi, c'était ma première fois, c'était ma première expérience, donc j'ai tout appris avec lui. Je l'aime, c'est nous sommes plus ensemble, mais lui-même, c'est que... Mais si tu aimes ton ex, pourquoi tu ne te remets pas avec lui? Pourquoi tu ne laisses pas celui que tu n'aimes pas? Parce que c'est un des respects que tu n'aimes pas. Mais mon ex me plaît.
mon ex me plaît, mais j'aime mon gars. Donc en définitive, tu n'as changé rien à ta relation que tu avais avec ton ex-ami. C'est peut-être votre vidéo qui va faire en sorte que mon gars sache que j'aime mon ex et que je... Mais tu n'as pas tenu son nom, donc qui peut pas savoir? Ah, d'accord. Donc le fait... Voilà. Donc ça veut dire quoi? Le fait de refaire avec ton ex ne change en rien. Tu donnes toute sa place à ton petit ami. Bon, comment je place. Suis faible face à mon ex. Très faible. Ok, mais ton petit ami a toute sa place, non? Oui. Ok, je n'ai pas donné son prénom, je suis sûr. Vous pouvez regarder les machines. Ok, je te remercie. Pourrais-tu coucher avec ton ex? Réponds sincèrement. Oui. Ça peut arriver. Tu es un petit ami, non? Oui. Et bien que tu es un petit ami, tu veux te remettre coucher avec ton ex? Ça dépend des circonstances. Non, mais coucher, c'est coucher. Il n'y a pas de circonstances. Oui, ça peut arriver. Et tu te sens comment? Tu as pu boire, hein? Vous savez que tu peux faire ça même plusieurs fois? Non, vous savez que ça dépend des filles constantes. Mais on dit jamais, jamais, ne dit jamais, jamais. Mais si tu couches avec ton ex, ça veut dire forcément qu'entre ton petit ami et toi, il n'y a pas quelque chose ne va pas passer ça, non? Ouais, voilà, voilà, c'est ça que ça dépend des filles constantes. Si on a un problème, je peux retourner vers mon ex à faiblesse. Mais c'est que ton petit ami et toi, tout va bien, tout va parfaitement bien. Tu ne vas pas penser à ça, non? Donc tu as tout touché avec lui. Non, sauf s'il y a des problèmes entre mon petit ami et moi. Mais c'est vrai que chaque fois qu'il y a des problèmes entre ton petit ami et toi, tu penses seulement te réconcilier sur le net, c'est ça? J'ai dit ça peut arriver, ça peut arriver. Ok, je te remercie, princesse. Merci. Mais tu as l'air très fatiguée là. Ok, il y a cette info, c'est par rapport à notre chaîne YouTube. Nos internautes et moi aimerons savoir ceci. Pourrais-tu coucher avec ton ex? Sincèrement, regarde la caméra, tu pourras coucher avec ton ex. Non. Vraiment? Oui. Regarde la caméra, tu dis ça? Non. Pourquoi? Parce que c'est mon ex, je ne l'aime plus. Tu ne l'aimes plus? Oui. Même s'il revient, il est devenu riche, propre, il a tout ce que tu recherchais, tu vas quand même le mettre de côté. Je m'en fous de sa richesse. Qu'est-ce que tu t'en fous de ta richesse? Oui. Mais il y a ce qu'on appelle un accident. Tu peux ne plus l'aimer, mais un accident tout comme ça arrive, vous vous mettez ensemble, vous vous couchez ensemble. Avant, elle dit, hey, qu'est-ce que j'ai fait comme ça là? Tu dis bien l'accident. Mais... Oui. Et il m'a dit coucher avec lui, j'ai pas été un mec, elle dit coucher avec lui, c'est même pas accident. Tu ne pourras jamais faire ça. Jamais. Jamais, l'accident ne va jamais arriver. L'accident là, sauf si ça vient de Dieu. Hormis ça, rien. Non, mais ça vient de Dieu. Mais ça veut dire que ça peut arriver. En conclusion, tu peux coucher avec ton ex. Quand tu dis que ça vient de Dieu, ça veut dire que ça peut arriver. Donc. Donc, tu peux coucher avec ton ex, c'est ça, non? Non. Tu viens de dire que ça vient de Dieu. Donc, ça veut dire que ça peut quand même arriver. N'est-ce pas, non? En fait, je ne sais pas. Ok. Je te remercie. Bien que tu aies une copine actuelle, tu te couches avec ton ex. Oui, ça ne me donne pas encore. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je ne sais pas, toi, si elle te dit que non, elle n'a pas envie de toi, c'est que je vais aller aussi vers elle. C'est que tu aimes encore ton ex, tu n'aimes pas ta copine actuelle. Non, je l'aime, mais quand tu vois, on dit que le coq est bon, mais tu ne peux pas lui manger chaque jour. Le coq est bon, mais tu ne peux pas manger le coq chaque jour. Donc il peut se faire changer d'aliments. Donc tu vas coucher avec lui si tu te donnes. Mais c'est vrai que si tu te donnes même 10 fois, tu vas prendre 10 fois. Oui. Oh là 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 là, mais tu trompes ton ex. Non, il ne trompe pas. On dit que le coq est bon, mais tu ne peux pas le manger chaque jour. Ok, bon, quel est le nom de ta petite amie actuelle? Ma petite amie, Ivana. Oui. Regarde la caméra. Ivana. La non, la brune. La brune. Ok, je te remercie. Ok, merci aussi bien. Tu peux coucher avec mon ex. Exactement. Là, ça dépend des circonstances. Constance, comment exactement? Je ne comprends pas. Si on s'est séparé dans les bonnes conditions, dans les bons termes, et puis on se voit, du coup, on peut flasher encore pour une seconde fois pour se donner une seconde chance. Bon, mais j'ai demandé ça. Tu peux coucher chez ton ex. Je n'ai pas dit sortir. Mais tu peux coucher ton ex. Non, pas du tout. C'est fini, c'est fini. Il y a plus. Mais c'est dans les bons termes. Même si c'est dans les bons termes, vraiment, il n'y a plus rien à faire.
Mais tu viens de dire ceci. Tu as dit que vous pouvez vous remettre ensemble. C'est-à-dire que si vous vous mettez ensemble, vous pouvez forcément finir par coucher. Et tu as un petit ami actuel, non? Bien sûr, j'ai un ami. Donc, bien que tu aies un petit ami, tu peux te remettre avec ton ex, c'est ça, non? Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit, non? Mais ce que tu viens de dire, non? Que beaucoup de fous peuvent revenir. Non, en fait, ça dépend. Si peut-être je suis seule et que j'ai aimé mon ex, c'est que lui aussi m'a mis dans le passé et on se revoit là. On va encore se donner une seconde chance. Bien que tu aies ton petit ami. Non, ça dépend. Si j'ai mon petit ami, je ne sais pas ce qu'il va encore faire avec mon ex. On se dit bonjour, c'est tout. Donc si tu es avec ton petit ami actuellement, même si tu revois ton ex, plus rien ne peut se passer. Non, pas du tout. Même un accident, parce qu'il y a souvent des accidents. Hein. Dans le feu de l'action. Oui, peut-être dans un Snapchat avec une copine ou avec un ex, tu le revois. Si on a trop fait, on peut prendre un point ensemble. Et rien d'autre. Non, rien du tout. Il y a l'accident, hein. Est-ce qu'on appelle l'accident? On ne lutte pas contre l'accident. Hein. Non, on n'insiste pas, il n'y a plus rien. Parce que les gens qui ont eu à dire ça et qui ont fait après, tous ceux qui ont fait n'ont pas voulu. Mais l'accident est à pousser, le feu de l'action est à pousser à refaire ça. C'est vrai, mais de mon côté, vraiment, je pense pas que ça part. Ok, quand c'est fini, c'est ça. Je ne fais plus jamais. Il y a ce gars à la caméra, tu dis ça. Quand c'est fini, vraiment, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus besoin de faire, moi j'arrive. Ok, je vais te déranger. Quel est ton petit ami actuel, c'est qui? Kevin. Regarde la caméra, tu dis. Kevin. Quand on dit Kevin, je t'aime, je vais plutôt tromper. Kevin, je t'aime, je vais plus te tromper. Ok, Inès, je te remercie. D'accord, merci aussi. Pourrais-tu faire avec ton ex? Pardon? Pourrais-tu refaire avec ton ex? Non. Pourquoi? Parce que non. L'ex, c'est passé. Mais ça, il y a ce qu'on appelle accident. Accident peut arriver, peut-être. Tu es peut-être en boîte de nuit comme ça ou dans un endroit public, tu le recroises et après ça se repasse. Non, pas avec le chien. Non, l'accident peut arriver. Est-ce que tu peux lutter contre l'accident? Non, l'accident, ça arrive ça. Non, mais pas l'accident. Donc pourtant, quand c'est fini. Exactement. Même si ça arrive, il te fait, il te met dans tes états, rien ne peut arriver. Non. Quand c'est fini. Jamais. Tu n'as jamais revu. Non. Même si tu le vois maintenant, ça ne va jamais arriver. Tu le vois, je ne connais pas. Ok, tu es honnête, non? Oui. Sincère, oui. Fidèle. Oui. Ok, regarde la caméra. Si tu es ton petit ami actuel, regarde la caméra. Tu as dit que tu es fidèle. Tu es honnête, tu peux donner ton petit ami actuel. Ok, je te remercie. Non. Regarde la caméra, tu dis que tu dis non. Non. Pour moi, on ne rentre pas dans le passé. Quand le passé est passé, on continue devant. La vie c'est devant et non derrière. Parce que celui qui passe son temps à rentrer derrière ne peut pas réussir. Bien ce qu'on appelle l'accident. L'accident. Là-bas, c'est l'accident causé par toi-même. C'est un accident que toi-même tu as voulu. Ce n'est pas un accident comment je peux dire? Involontaire. Voilà. C'est pas un accident involontaire, mais c'est un accident que toi-même tu as accepté. Donc là-bas, c'est pas l'accident. Et ça parce que. Il y a plusieurs personnes qui ont eu à le faire, ils disaient la même chose que toi, ils disaient que ça ne va jamais arriver. Mais faute d'accident, ça arrive. Après, ils disent que, hey, qu'est-ce que j'ai fait comme ça là? Avant que la personne se rende compte qu'elle a fait une bêtise, c'est déjà arrivé. Donc ça ne peut pas, tu sais que ça ne va jamais t'arriver. Là, ça dépend de la conception de tout un chacun. Moi, ma part de conception, ma part de principe, c'est que quand je commence à faire quelque chose, si ça ne résonne pas, je laisse tomber. À force de forcer, tu ne sais pas ce qui va t'attendre derrière. Et celui même qui revient même là, tu ne sais pas avec quel genre d'attitude il revient avec. Quel genre d'esprit il revient avec de toi. Peut-être que au départ, quand vous étiez avant, tu l'avais provoqué ou non. Tu as posé un acte qui n'avait pas plu. Voyez un peu. Maintenant, quand il revient par vengeance. Dans son cœur, tu n'es pas dans son cœur. Tu ne sais pas ce qu'il pense. Donc pour moi, le passé, on laisse le passé au passé et on part au présent. Ok. Bon, il n'y a pas d'accident parce que ça ne va jamais arriver. Je ne peux pas dire que ça ne va jamais arriver parce que qui dit jamais? On dit jamais, jamais. On ne dit jamais, jamais. Mais pour moi, à part des principes là, à part à la vie, c'est devant. Ok, je te remercie. De rien. Tu es fidèle, tu es vraiment fidèle, non?
Tu es honnête. Honnêteté, c'est trop dur. Tu es élevé. Ok, regarde la caméra, tu te donnes ton petit ami actuel. Regarde. Regarde. Ok, je te remercie. Moi, tu veux pas le dire. Serge. Ok. Dis Serge, je t'aime, je t'adore. Serge, je t'aime, je t'adore. Bisous, bisous. Ok, je te remercie, je te remercie. Ah, je te lave, hein. Okay. Tu es mon cœur, tu es mon tout. Je pense qu'à toi, maman. Mais où est mon poème dedans? Pourrais-tu coucher avec ton ex? Non. Regarde, non. Surtout pas, parce que pour moi, les ex, ce sont des choses passées. Pour moi, quand tu as franchi l'étape avec un homme ou une femme, le fait de l'avoir déjà fait peut te donner justement la facilité de le refaire encore, de refaire la chose, donc de la refaire. Donc pour moi, les ex sont passés et il est hors de question de garder même le contact avec la personne, sauf si peut-être c'était un collaborateur, un boss ou alors une personne qui ne peut ne pas être dans votre entourage. Même s'il a tout récupéré que tu recherches, ça veut dire quoi? Il est devenu plus beau, plus chaud, plus élégant. Comme les filles souvent disent, charisme, tu peux, ça peut plus arriver, même par accident en fait. Non. Tout simplement parce que je ne suis plus en contact avec aucun de mes ex, premièrement. Donc, pour moi, c'est un conseil que je peux donner à toutes les jeunes filles. Même si la personne est devenue charismatique, peut-être ce que tu aurais souhaité, le simple fait que tu te sois éloigné de lui te donne une simple raison. Une raison très simple de le quitter, de rester loin de lui. Donc pour moi, c'est pas. C'est comme par exemple, tu peux faire un achat. À un moment, tu peux. Enfin, dans un endroit, tu peux voir le même article à 1000 francs. Ailleurs, tu vois 2000. Et dans deux semaines, ça devient 800, ça devient 600. Tu peux pas revenir sur tes pas. Donc tu as déjà acheté ou tu es déjà passé dessus. Et puis c'est tout. Devant, tu trouveras quelqu'un peut-être qui t'aimera mieux. Voilà. Donc, en conclusion, tu ne veux pas faire aller en cours avec ton ex? Non. Ok, je te remercie. Merci. La voix des sans-voix, le clairreur de conscience africaine.